Bonjour, moi c'est David Duriot, je suis trésorier du collectif Le Sapin Sympa, donc une association de créateurs dans le film d'animation, la BD, l'illustration et le jeu vidéo. One Shot, c'est une journée dédiée aux professionnels et aux étudiants et étudiantes du cinéma d'animation d'Angoulême. C'est dans le cadre de la fête de l'animation, qui est une fête nationale qui se déroule fin octobre. Magis nous a mandaté en fait pour créer une journée qui parlait de l'animation de manière générale, et donc on a décidé nous de rajouter un sujet spécifique qui était l'animation vraiment pour les angoumoisins et angoumoisines via une exposition et un cycle de conférences. Les premières années on a les ateliers et aujourd'hui maintenant on a fait une projection en partenariat avec l'ALCA qui soutient le cinéma d'animation sur Angoulême. C'est la troisième année qu'on fait ça et on est très content et contente. Moi je suis en charge du cycle de conférences et Éponine Jacquet, donc ma camarade, en charge de l'exposition. Et on veut que ce soit quelque chose de très convivial. On reste sur des sujets assez légers, on parle de nos métiers, de nos passions. On expose aussi ce qu'on aime faire et créer. Proposer une journée entièrement gratuite, en tout cas aux gens d'Angoulême, pour venir parler d'animation, se rencontrer. On a souvent, malheureusement, après de longues journées de travail, quand on bosse dans des studios, plus le temps de réseauter, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir réunir des gens qui travailleraient sans le savoir à 500 mètres de distance, mais dans des studios différents, et donc de ne pas avoir le temps de pouvoir se parler, discuter. Permettre aussi aux différentes générations de pouvoir se rencontrer aussi, parce qu'entre les étudiants qui sont maintenant et les personnes qui sont en poste depuis plus de 25 ans, il y a des différences d'âge et de génération, donc ça permet aussi de faire ces petites rencontres et puis de continuer à faire grandir l'écosystème local à Angoulême.